à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous un personnage pour le coup souvent oublié, souvent mis de côté, mais qui pourtant en dit beaucoup sur pas mal de choses. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'un élève de Gryffondor qui fut capitaine de l'équipe de Quidditch avant Harry Potter et qui n'hésitera pas à revenir se battre à l'orée de la bataille de Poudlard alors qu'il n'était plus élève depuis quand même quelques années. Olivier Dubois, vous l'aurez compris, n'a jamais été un personnage pour le coup ultra populaire du monde magique. Il est souvent oublié par beaucoup de monde et pourtant c'est un personnage qui gagne véritablement à être connu. Aujourd'hui, on va donc essayer comme un peu à notre habitude de pénétrer dans les secrets et les tréfonds d'un personnage injustement perçu comme superficiel souvent, mais qui pourtant se révèle au fur et à mesure comme un personnage au grand cœur et surtout comme un homme pétri de valeur. L'adaptation cinématographique de Harry Potter ne lui aura peut-être pas laissé une place Très importante ni prépondérante et peut-être même un peu faussée, et c'est dommage. Et donc, nous allons tenter avec cette vidéo de réussir à vous faire découvrir ou redécouvrir un personnage qui, quand même, vaut le détour. La jeunesse d'Olivier Dubois n'a pas été documentée par J.K. Rowling en tant que telle, pour ce qui concerne en tout cas les années précédentes son arrivée au sein du collège Poudlard. On ne connaît pas non plus grand-chose sur ses origines et sur son ascendance. On peut penser qu'il est un sorcier de sang mêlé ou un sorcier de sang pur, mais cette partie-là aussi n'est pas spécifique. Spécifiquement défini par J.K. Rowling et mériterait, il est vrai, d'être précisé. On sait qu'il naît a priori entre 1975 et 1976 et qu'il va grandir comme tous les enfants du monde magique dans un environnement où la magie tient une place particulière, sans pour autant savoir si elle se trouve être prépondérante ou non. On peut imaginer, ou tout du moins supposer, qu'il découvre le quidditch durant son enfance, probablement par simple fait de transmission familiale, mais rien ne peut officiellement venir l'attester. Ce qui est assez logique cependant, c'est d'imaginer en effet que son attrait pour le quidditch s'est développé durant l'enfance avant de se trouver, on va dire, une traduction concrète dans le cadre de sa scolarité, une fois arrivé au sein de Poudlard on sait qu'Olivier Dubois intègre Poudlard a priori la même année que Percy Weasley dont il sera donc évidemment un contemporain lors de son arrivée au sein de l'école de sorcellerie, Olivier Dubois sera réparti lors de la cérémonie de répartition dans la maison Gryffondor, on ignore totalement s'il avait une préférence ou une inclinaison particulière pour une maison ou pour une autre le fait est qu'il épousera de toute façon on le sait, fait et cause, les valeurs de cette noble maison, là aussi difficile de connaître évidemment les éléments généalogiques de son ascendance, nous ne savons en effet aucunement si ses parents ont eux aussi été des griffons d'or ou non. Cela n'a pas tellement d'importance, mais il est vrai que l'on aime bien avoir accès à ce genre de détails. Les années antérieures à l'arrivée de Harry Potter à Poudlard n'ont pas toujours été très documentées. Elles sont surtout racontées au travers de souvenirs, au travers d'analyses ou d'anecdotes livrées par des élèves présents à Poudlard. Olivier Dubois, comme nombre d'autres personnages, va lui aussi se livrer à quelques confidences qui permettent quand même de se faire une très rapide idée sur la manière dont il a vécu ses toutes premières années au sein de Poudlard et notamment concernant son arrivée dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Les souvenirs que nous allons évoquer sont donc des souvenirs personnels d'Olivier Dubois et sont donc à prendre comme tels car ils ne peuvent pas vraiment être pondérés par des souvenirs qui viendraient infirmer ou contredire les affirmations de ce dernier. Il faut donc les tenir pour ce qu'ils sont. On peut présumer que lors de sa scolarité à Poudlard, il sera l'un des camarades de Chambray et de Percy Weasley sans que l'on puisse véritablement savoir s'il entretient avec lui de bonnes ou de mauvaises relations. Le caractère légèrement tacituré Tourne du moins Weasley des enfants d'Arthur et Molly, rend en effet quand même compliqué d'imaginer des moments de franche camaraderie entre les deux personnages à la psychologie pour le coup bien particulière et surtout très différente. On vous renvoie, si cela vous intéresse, à la vidéo que nous avions réalisée sur le personnage de Percy Weasley et que vous pouvez retrouver dans notre catégorie, dans notre playlist consacrée aux personnages de la saga. Bref, cela n'empêche pas pour autant Olivier Dubois de développer ses amitiés avec d'autres Weasley, et notamment, on le sait, Charlie, l'un des aînés de la phrase. Weasley. Il n'apparaît pas très clairement à quelle époque Olivier Dubois rejoint l'équipe de coolidge de Gryffondor. On peut faire la supposition là aussi que cet événement a dû se produire lors de sa deuxième ou de sa troisième année à Poudlard. On ne sait pas non plus comment s'est déroulée sa sélection. On peut imaginer que le capitaine de l'époque aura organisé des sélections pour remplacer un joueur atteint par exemple par la limite d'âge. En l'occurrence, on sait que le poste de gardien euh, que Olivier Dubois occupe est soumis à ce moment-là en l'occurrence un renouvellement. On ne sait pas comment Olivier Dubois prend son intégration dans l'équipe de quidditch de Griffon On peut imaginer qu'il est évidemment très fier de cet exploit et surtout très très désireux de faire ses preuves et d'être pris au sérieux. On sait simplement, selon ses dires, que son tout premier match de quidditch ne va pas se dérouler, c'est le moins que l'on puisse dire, comme dans un rêve, bien au contraire. Après seulement deux toutes petites minutes de jeu, Olivier Dubois va subir l'assaut d'un cognard qui va le plonger dans un coma qui durera une semaine entière puisqu'il se réveillera à Lorsqu'il raconte cette anecdote à Harry Potter, on sent chez Olivier Dubois une certaine forme de nonchalance on pourrait imaginer qu'il considère pourquoi pas que cet événement, heureusement sans grande gravité, fait partie des risques un peu du métier. Il est vrai que le Quidditch demeure pour le coup quand même un jeu très dangereux et que des événements malheureux peuvent effectivement se dérouler de manière assez régulière. Au fond, Olivier Dubois à ce moment-là de l'histoire veut jouer un peu les gros durs, mais sur le moment on peut imaginer que les conséquences de ce premier match ont peut-être être, on va dire, était quelque peu difficile à appréhender pour lui. C'est en tout cas une possibilité qu'il convient d'envisager. La scolarité d'Olivier Dubois se déroule, on l'imagine, le plus normalement de la Terre. On sait qu'il va passer au fur et à mesure ses années sans trop de difficultés. On sait aussi qu'il fréquentera durant sa scolarité d'autres personnages appelés à devenir célèbres comme ce fut le cas notamment pour Nympha Tonks dont on sait qu'elle était membre de l'équipe de coolidge de Poussoufle, et évidemment Charlie Weasley pour qui il a une certaine admiration. C'est qu'au-delà de l'esprit collectif qui règne au sein de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, Olivier Dubois voue une forme d'admiration en effet à Charlie Weasley, à la manière dont il incarne à la perfection les valeurs de Quidditch toujours avec un très grand professionnalisme. Il y a dans l'effort sportif quelque chose de particulièrement admirable, mémorable aussi sans doute, et il est vrai qu'y compris dans le monde des moldus, on peut rapidement se laisser emporter par des prestations sportives et physiques particulièrement impressionnantes. Dans le monde des sorciers, le mécanisme semble donc être le même. Dans des notes transmises par J.K. Rowling, on sait Qu'Olivier Dubois recevra un trophée à un moment ou un autre de sa scolarité, ou en tout cas une récompense, qui est présentée dans la salle des trophées de Poudlard pour le féliciter d'un effort en particulier. On ne sait absolument pas de quoi il s'agit ni de quoi il en retourne, J.K. Rowling n'ayant jamais précisé quoi que ce soit à ce sujet en dehors de cette nomination bien mystérieuse. On peut imaginer que cette récompense vient en réalité saluer une réussite académique particulière, mais pas nécessairement sportive. En effet, J.K. Rowling fait dans cette liste une distinction très claire entre matière académique au sens strict du terme et récompense sportive et Olivier Dubois se situe finalement dans une autre catégorie. Bref, on sait qu'il devient ensuite capitaine de l'équipe de Quidditch lors de sa quatrième année à Poudlard, l'année où Charlie Weasley quitte évidemment le château. On peut évidemment imaginer le bonheur que ressent Dubois à l'annonce de cette nomination méritée dont il prend pleinement conscience. Pour Olivier Dubois, l'objectif est simple, mettre enfin un terme à la domination sportive des Serpentards en mettant sur pied une équipe inédite mais Motivé. Seulement, le départ de l'attrapeur fétiche de l'équipe pose évidemment question. En effet, sans Charlie Weasley, il va falloir trouver la perle rare, perle rare apparemment difficilement identifiable. Pendant les premiers mois de l'année scolaire, on sait que Olivier Dubois s'escrime donc à mettre une équipe en place rajeunie. On sait qu'il prendra évidemment les deux intenables jumeaux Weasley, mais aussi des profils comme Angelina Johnson ou encore Cathy Bell. Au fur et à mesure de la préparation de la saison de Quidditch, on peut imaginer qu'Olivier Dubois s'entretient de manière régulière avec le professeur McGonagall dans la mesure où l'on connaît son attrait particulier pour le Quidditch qu'elle a elle-même pratiqué, mais aussi et surtout, d'ailleurs, son envie de voir enfin l'équipe de la maison qu'elle dirige emporter cette coupe si importante à ses yeux. Il est fort probable que durant ces entretiens, Olivier Dubois fait part de ses doutes et de ses difficultés à remplacer Charlie Weasley. On peut imaginer que Minerva McGonagall n'a pas nécessairement la capacité à l'instant T de trouver et de désigner un attrapeur. Le fait est que le problème perdure pendant plusieurs semaines, suscitant à la fois inquiétude et angoisse, tant pour Olivier Dubois que pour la directrice de Griffon d'Or. La délivrance d'Olivier Dubois vis-à-vis -vis de cette lourde et difficile tâche... va intervenir peut-être au moment où il s'y attend le moins... et de la manière la plus inattendue qui soit. En effet, on se souvient que lors d'une séance d'entraînement au vol sur ballet... Harry Potter va s'illustrer en rattrapant le rappel-tout de Neville long du Bas... confisqué par un drago malfoy plus cruel que jamais. A cette occasion, et alors que c'est la première fois qu'il touche véritablement à un ballet... Harry Potter va démontrer une maîtrise absolument stupéfiante, voire édifiante. Heureusement pour Olivier Dubois... Minerva McGonagall va être témoin de cette scène et donc trouver elle-même la réponse directement aux interrogations de son nouveau capitaine de Quidditch. Pour elle, aucun doute, Harry est fait pour ce poste, la suite des aventures du jeune sorcier ne feront d'ailleurs que lui donner raison. Lorsque Lévier Dubois voit débarquer Minerva McGonagall avec ce jeune élève de première année, on peut imaginer une certaine forme d'incrédulité. Il faut dire que généralement les élèves de première année ne font jamais jamais partie d'une équipe de Quidditch. De plus, l'élève en question se trouve être déjà sous une très forte pression puisque il est Harry Potter. Il est évident qu'Olivier Dubois n'est absolument pas un culte et qu'il sait particulièrement bien qui est Harry Potter et quelle est son histoire. À ce moment-là de l'histoire, cependant, Olivier Dubois ne connaît absolument rien des capacités physiques de Harry Potter. Il doit donc s'en remettre pleinement à la vie d'une Minerva McGonagall qu'il est évidemment obligé de respecter. En même temps, ce n'est pas comme si... Quelque part, effectivement, il avait le choix. En effet, butant comme jamais de toute façon sur la recherche d'un attrapeur, le temps presse et la décision est donc entérinée avant même finalement que l'on puisse se poser la question de savoir si c'est bien ou mal. Cela ne veut pas dire pour autant à cet instant-là que Olivier Dubois ne doute aucunement des capacités de Harry Potter en la matière. On peut imaginer sa perplexité et aussi l'inquiétude de faire jouer un élève de première année à un sport aussi dangereux. Mais. Comme dit précédemment, le choix de Harry Potter était tout sauf une option. Il fallait donc le préparer à son tout premier match. Olivier Dubois, afin de s'assurer des capacités et des forces de son nouvel attrapeur, va donner à Harry Potter un cours accéléré sur le Gooditch à l'occasion d'un premier entraînement qu'ils vont effectuer tous les deux en privé. Dans le récit, on ne semble pas percevoir qu'Olivier Dubois traite Harry Potter différemment de tout autre élève. Il ne semble pas attacher une importance particulière à son statut particulier ni à sa légende. Olivier Dubois demeure pour le coup quelqu'un d'extrêmement factuel. Au fur et à mesure de ce premier entraînement, Olivier Dubois va comprendre tout de suite ce que le professeur Minerva McGonagall a perçu chez ce jeune garçon. Il y a du génie dans la manière dont Harry Potter utilise un ballet, il est souple, il est talenteux, il est rapide et il dispose donc effectivement d'un don inné pour le Quidditch à la Star, on le sait un peu après, de son père. Olivier Dubois perçoit immédiatement ce que ce nouvel attrapeur va pouvoir apporter à l'équipe de Quidditch de Gryffondor, cela semble évident pour lui, il a trouvé sa perle rare, le joyau d'une équipe renouvelée et qui devrait réussir pleinement à marquer le retour à la tête du classement de Gryffondor. On sait que le premier match de l'année va opposer Gryffondor à son ennemi de toujours, en la qualité évidemment des Serpentards. On sait évidemment aussi que les oppositions entre ces deux maisons font toujours des étincelles en amont et en aval du match, d'ailleurs parfois pendant plusieurs semaines. Pour ce premier match de la saison, en bon stratège qu'il semble être, Olivier Dubois cherche à éviter à tout prix que la nouvelle de la présence de Harry Potter au sein de l'équipe ne fuite en dehors de cette dernière. Évidemment, c'est peine perdue dans la mesure où, au sein d'une école, il est toujours très difficile de dissimuler une quelconque information. Ceci vaut encore plus dans le cas de Harry Potter, dont les moindres faits et gestes sont scrutés et surveillés en permanence. Si la présence de Harry Potter au sein de l'équipe va finir par fuiter très rapidement, il faut bien comprendre qu'en réalité, personne ne connaît l'étendue des talents et des aptitudes de ce nouvel élève si singulier. Pour le coup, le secret en la matière demeurera évidemment jusqu'au match. On sait qu'Olivier Dubois ne va pas regretter ce choix, car son équipe domine facilement l'équipe de Serpentard et Harry Potter doté de son Imbus 2000 flambant neuf va faire des merveilles en attrapant de manière totalement spectaculaire son premier d'or. Cette victoire est savoureuse car elle démontre le retour en force de l'équipe de Gryffondor et expose également au grand jour les aptitudes extraordinaires de ce nouvel attrapeur. La saison s'annonce donc jusque là parfaitement extraordinaire. Cependant, il était évident que ce grand coup d'éclat allait engendrer des répercussions, notamment de la part des Serpentards. Outre les conséquences extrascolaires qui sont parfois douloureuses et difficiles à supporter pour les membres de l'équipe, ce qui inquiète davantage Olivier Dubois et à raison, ce sont les répercussions sportives qui risquent de se faire jour. C'est toujours la difficulté avec les grands coups d'éclat, on sait ce que ça produit sur le moment, mais pas nécessairement sur le long terme. On apprend d'ailleurs qu'à l'occasion du second match de la saison qui doit opposer Gryffondor à Poufsouffle, ce ne sera pas Madame Bibi qui arbitrera comme prévu le match, mais le Professeur Rogue, dont personne ne peut ignorer la haine qu'il entretient vis-à-vis -vis de Harry Potter, mais aussi le côté revanchard qu'il peut ressentir pour ce qui concerne la lourde défaite de son équipe lors du premier match. Olivier Dubois est parfaitement conscient du risque encouru par Gryffondor avec cet arbitrage dont on peut imaginer facilement qu'il sera largement en défaveur de cette équipe montante de la Coupe de Quidditch. Il faut donc établir une stratégie pour ne pas subir un arbitrage qui manquerait cruellement de neutralité dans sa mise en application. En l'occurrence, la seule possibilité et la seule stratégie à adopter dans cette configuration, pour le moins dangereuse, c'est celle de plier le match, comme on dit parfois dans le jargon sportif. Et il faut évidemment plier le match le plus rapidement possible. Olivier Dubois va donc demander à Harry Potter d'attraper le plus rapidement possible le vif d'or pour éviter toute difficulté d'arbitrage. Il s'agit pour le coup de la seule possibilité selon lui de gagner le match. Heureusement pour Dubois, Harry Potter va très vite attraper le vif d'or et donc mettre fin au match. Cela vient donc mettre un terme euh, définitif à cette aventure mais vient également renforcer les possibilités de Griffon d'Or d'emporter évidemment la coupe. À ce moment-là, l'histoire au cœur des événements de Harry Potter à l'école des sorciers Olivier Dubois a toutes les raisons de croire que cette année marquera de manière évidente la victoire de Gryffondor. Il le sait et il a bien l'intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour remporter la coupe. Seulement, c'était sans compter sur les aventures de Harry Potter qui vont lui causer déjà de très très grandes difficultés. En l'occurrence, on sait que Harry Potter et ses amis vont faire perdre 150 points au classement, ce qui est énorme à la maison Gryffondor, ce qui met totalement en péril évidemment la capacité de la maison à remporter la coupe des quatre maisons et euh, on sait notamment que euh, Olivier Dubois va être absolument furieux de cette euh, on va dire de ce désastre quelque part et on peut imaginer évidemment que c'est à raison Harry Potter vient bien proposer sa démission de l'équipe mais ce dernier va refuser que gagner au Quidditch est la seule manière de rattraper évidemment le retard pris. Olivier Dubois en tiendra rigueur à Harry Potter en mettant entre lui et son attrapeur une forme de distance polie mais on va dire en tout cas réelle et assez concrète. Cette distance est évidemment remarquée par Harry Potter qui comprend rapidement qu'il est temps de ne surtout pas la ramener. Harry Potter et Olivier Dubois le sait au fond de lui et désireux de faire ses preuves une fois encore, mais les événements qui vont survenir entre Harry Potter et le professeur Quirrell autour de l'énigme de la Pierre Philosophale vont priver l'équipe de Gryffondor de son attrapeur. Favoris. alors hospitalisé pour se remettre du combat qu'il a opposé à ce qu'il reste à l'époque de Lord Voldemort. Henry est indisponible pour le dernier match de la saison, l'équipe se trouve donc être totalement désorganisée, ceci posant évidemment de très grandes difficultés. Face à Serdègle, l'équipe de Gryffondor, on le sait, va subir la plus lourde défaite connue depuis plus de 300 ans. On imagine la déception qui est celle d'Olivier Dubois face à cet échec absolument cuisant qui privera, on va dire mathématiquement, Gryffondor d'une coupe de couille qu'il était presque assuré de remporter. Olivier Dubois passe peu de temps après ses bus avec succès et se dirige donc vers sa sixième année au sein de Poudlard qui promet d'être pour le moins très déterminante pour son avenir professionnel. Durant l'été, qui sépare les événements de Harry Potter à l'école des sorciers et de Harry Potter à la chambre des Secrets, on sait qu'Olivier Dubois va travailler très attentivement sur de toutes nouvelles stratégies et sur de nouveaux plans de bataille permettant à l'équipe de Gryffondor de s'assurer cette année d'une victoire qui leur a échappé de peu l'an dernier. Dubois imagine aussi un plan très complet pour des entraînements toujours plus nombreux mais qui doivent permettre en réalité à ses coéquipiers d'élever le niveau de leur jeu. Les entraînements lors de cette troisième année de Capitana vont être de plus en plus nombreux, de plus en plus matinaux aussi, quitte à s'entraîner trop et... Au détriment, on va dire parfois même des résultats scolaires. Le Quidditch est une chose sérieuse pour Olivier Dubois et on ne peut pas mettre ça au second plan. Son enthousiasme, sa volonté de bien faire, son envie de gagner est parfois communicative aux autres membres de l'équipe, même si pour le coup il n'est pas toujours entendu à la hauteur de ses espérances ou de ses ambitions par les autres joueurs de l'équipe. On sait que le samedi qui suit le retour des élèves à Poudlard, Olivier Dubois a prévu la première séance d'entraînement de l'équipe de très bon matin. Il avait même réservé le terrain depuis plusieurs jours lorsqu'il va se heurter à l'équipe de de Serpentard qui dispose également d'une autorisation émanant du professeur Rogue afin d'entraîner Dragon Malfoy, devenu leur nouvel attrapeur. Cette nouvelle aurait pu juste énerver Olivier Dubois, si ce n'est qu'il constate en plus que toute l'équipe de Serpentard s'est équipée durant l'été de Nimbus 2001 flambant neuf, payé par Lucius Malfoy. Le premier match de la saison promet donc encore une fois une certaine opposition entre les deux équipes qui se détestent le plus dans l'histoire de Poudlard. Pourtant, malgré la supériorité technique de Serpentard et sa flotte complète, de de Nimbus 2001, l'équipe de Gryffondor va s'imposer sans très grande difficulté grâce à Harry Potter qui attrapera de manière spectaculaire une fois encore le vif d'or au détriment d'un dragon Malfoy dépassé par les événements. Malheureusement pour Dubois, la saison de Quidditch s'arrêtera là en raison de l'ouverture de la chambre des secrets et des attaques qui se déroulent à intervalles réguliers dans le château. Malgré de nombreuses tentatives de sa part, Olivier Dubois devra se résoudre à ce que la saison ne reprenne pas, les attaques se faisant de plus en plus nombreuses. On imagine sans aucune difficulté sa déception, même si on peut aussi imaginer qu'à l'instar de tous les autres élèves du château, il partage une inquiétude très puissante concernant l'ouverture de cette chambre légendaire et du monstre qu'elle est censée contenir. Le fait est que les événements liés à l'ouverture de la chambre des secrets privent. Olivier Dubois d'un titre pour cette nouvelle année de Quidditch, malgré tous les plans qu'il avait pu dessiner, les stratégies qu'il avait pu mettre au point au fur et à mesure. Olivier Dubois termine sa sixième et donc avant-dernière année à Poudlard dans un contexte difficile et il sait désormais qu'il va devoir redoubler d'efforts pour tenter de remporter enfin cette précieuse coupe de Quidditch, sa septième et donc dernière année à Poudlard et pour le coup, en effet, sa toute dernière chance de réussir le pari, de remporter enfin une véritable victoire. Alors que débutent les événements de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on sait que la sécurité du château cette année-là se trouve être très particulière du fait de l'évasion du criminel Sirius Black de la prison des sorciers d'Azkaban. Les conditions pour pratiquer le Quidditch ne sont donc pas optimales, surtout pour ce qui concerne Harry Potter, comme on le sait. Cette situation est prise très au sérieux par Olivier Dubois, mais comme il le dit à ses coéquipiers, c'est sa dernière chance de gagner la coupe de Quidditch en tant qu'élève à Poudlard. Le premier match de la saison fait l'objet, on le sait, d'une très intense. Intense préparation de la part des élèves de Gryffondor. On sait que le match contre Serpentard est évidemment un match très important. Cependant, Olivier Dubois va découvrir avec stupeur qu'en réalité ce match n'aura pas lieu. Serpentard arguant de l'indisponibilité complète et totale de son attrapeur pour cause de blessure avec un hypogriffe, Gryffondor ouvrira donc la saison face à une autre équipe et ce sera évidemment celle de Poufsouffle. Olivier Dubois, et on le sait, est absolument furieux dans la mesure où son équipe s'est donc préparée à combattre un adversaire qui ne sera pas le bon, mais il n'a pas le choix. Le match se déroule dans des conditions météorologiques absolument effroyables, détestables et surtout va être interrompu par un événement pour le coup totalement imprévu et extérieur au déroulement du match alors que, en effet, Harry Potter et son opposant, qui est Cédric Diggory à l'époque, se sont lancés dans une course folle au vif d'Or, les Détraqueurs vont pénétrer dans l'enceinte du stade de Quidditch et vont s'en prendre à Harry Potter qui chute de son balai. Cédric Dégory, attrapeur de l'équipe de Poussouf, ne se rend évidemment pas compte dans la précipitation de l'arrivée des Détraqueurs et va attraper le Vive d'Or. Comprenant que la situation n'a absolument rien à voir avec un match ordinaire, il va proposer immédiatement après son atterrissage de rejouer le match et d'annuler le résultat. Olivier Dubois va refuser cette proposition, jugeant que Cédric Dégory avait attrapé le vif d'Or dans des conditions tout à fait respectueuses des règles régissant la pratique du Quidditch. Le fait de perdre un match n'est en soi pas une véritable. Catastrophe. C'est quelque chose qui arrive et c'est rattrapable, à condition de se dépasser sur les prochains matchs à venir. Il fait face cependant à deux difficultés presque extra qui vont venir complexifier un peu plus la tâche de son équipe. Suite à l'attaque des Détraqueurs, le Nimbus 2000 de Harry Potter fut détruit, on le sait, par le sol Or, Harry a besoin d'un balai capable de tenir la distance vis-à-vis -vis des autres équipes et notamment vis-à-vis -vis des Nimbus 2001 des serpentards Harry n'arrive pas à se décider. Pour un modèle qui lui convient, même si en soi, on le sait, il rêve de l'éclair de feu qu'il s'interdit d'acheter compte tenu du prix. La deuxième difficulté concerne encore et toujours Harry Potter, car une question demeure après le premier match de la saison. Si l'on admet que les détraqueurs pénètrent une seconde fois sur le terrain de Quidditch, comment Harry Potter réagira-t-il cette fois-ci Harry cherche à rassurer son capitaine en lui expliquant que le professeur Lupin tente justement de lui apprendre à se défendre vis-à-vis -vis de ces immondes créatures. Quand Olivier Dubois apprend au retour de Noël que Harry Potter a reçu un un éclair de feu, il devient littéralement dingue, mais pas aussi dingue que lorsqu'il apprend évidemment en suivant que le professeur McGonagall a confisqué le dit balai pour s'assurer de la sécurité de ce dernier et du fait qu'il ne présente absolument aucun danger pour Harry Potter à l'usage. Olivier Dubois en est convaincu, ce balai est la solution qu'il attendait depuis tant d'années, mais à juste titre, Minerva McGonagall craint que ce cadeau ne provienne de Sirius Black et puisse donc être évidemment un piège. Pendant des semaines, Olivier Dubois va tenter de convaincre Minerva McGonagall de laisser Harry Potter monter sur ce balai. Ce à quoi cette dernière commencera à poser la question de savoir si Dubois place la victoire à la Coupe de Quidditch au-delà de la santé de son attrapeur dans l'ordre de ses priorités. Évidemment, ce n'est absolument pas le cas, mais il est vrai qu'il est assez logique de se poser la question vu de l'extérieur. Pour Olivier Dubois, c'est encore autre chose. Pour lui, il est évident et nécessaire que la sécurité de Harry Potter doit être assurée, mais la présence d'un L'éclair de feu viendrait quand même, évidemment on le sait, galvaniser l'équipe, il le sait en tout cas et il l'espère. Il aura d'ailleurs tout à fait raison d'espérer puisqu'à la veille du second match qui doit opposer Gryffondor à Serdèque, pour Olivier Dubois, il voit dans ce match une double opportunité. La première étant celle de démontrer les capacités de l'éclair de feu mais aussi celle de profiter des multiples blessures subies par l'attrapeur de l'équipe de Serdèque qui se trouve être Cho Chang. À l'approche du match, Olivier Dubois va augmenter les entraînements jusqu'à atteindre le chiffre presque délirant de 5 entraînements par semaine. L'équipe de Gryffondor arrive donc dans une grande forme physique pour ce second match de la saison. Durant le match, il est obligé de rappeler à Harry Potter alors l'ordre euh, puisque ce dernier se montre parfois beaucoup trop clément, voire beaucoup trop galant, avec son adversaire direct, pour qui on sait qu'il commence quand même à nourrir quelque forme d'intérêt. Gryffondor remportera le match à la grande joie de son capitaine, qui voit donc Gryffondor se relancer. Dans la course au titre. Les autres matchs vont permettre à Gryffondor de croire jusqu'au dernier match à la possibilité d'une victoire, à la condition de gagner avec 200 points. Évidemment, la finale de ce dernier match, en tant que joueur scolarisé à Poudlard pour Olivier Dubois, va opposer Gryffondor à Serpentard. Ce match présente la double difficulté d'être un peu le derby, selon l'expression consacrée, et donc déclenche des tensions. Mais il y a là aussi le côté, on va dire, arithmétique des choses qui rentrent en ligne de compte. En effet, il ne faut absolument pas que Harry Potter attrape le vif d'or avant que Gryffondor ne bénéficie d'une avance confortable d'au moins 50 points sur leur adversaire. Cela oblige donc Harry Potter à avoir une idée et une surveillance accrue du jeu tout en empêchant évidemment l'attrapeur adverse, en l'occurrence Dragon Malfoy, de se saisir du vif d'or. Les tensions entre les deux équipes sont tellement exacerbées durant la préparation de ce dernier match de la saison qu'Olivier Dubois va faire placer son attrapeur fétiche sous étroite protection afin que rien de fâcheux ne puisse lui arriver, évidemment il il faut absolument pas que les Serpentards puissent empêcher Harry Potter de participer à cette finale qui ne dit presque pas son nom. On sait que le match ne va pas se dérouler exactement comme Olivier Dubois l'aurait souhaité car il va recevoir dès le début du match deux cognards dans l'estomac. Mais il assistera tout de même à l'accomplissement de la mission qu'il s'était fixée, à savoir gagner enfin la Coupe de Quidditch pour Gryffondor. Cette mission enfin accomplie, Olivier Dubois peut terminer sa scolarité à Poudlard et donc finir ses Aspics correctement et avec le sentiment en plus du. Devoir accompli. Il est temps donc pour Olivier Dubois de débuter sa vie en dehors de Poudlard. On retrouvera très brièvement Olivier Dubois dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu, où ce dernier assiste avec ses parents à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch opposant l'Irlande à la Bulgarie. Évidemment, Olivier Dubois se fait un plaisir d'assister à cet événement et rencontre Harry Potter qu'il présentera, on le sait, à ses parents. Ce qui laisse penser donc que ses deux parents sont effectivement des sorciers. Olivier Dubois a fait le choix de consacrer sa vie professionnelle à la pratique du Quidditch de manière évidemment totalement professionnelle et non plus en tant qu'amateur. Il est vrai qu'on ne sait pas grand chose de la scolarité de Dubois durant son séjour à Poudlard. À aucun moment on n'entend parler d'une quelconque ambition particulière de la part du capitaine de l'équipe de Gryffondor pour son avenir professionnel. On sait comme gardien sur le banc d'une équipe de la Ligue Nationale de Quidditch mais on n'en sait évidemment pas plus l'histoire d'Olivier Dubois aurait pu s'arrêter là pour ce qui nous concerne, hein, comme beaucoup de personnages ont en effet disparu au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire de Harry Potter mais en l'occurrence J.K. Rowling n'en avait pas tout à fait terminé avec ce personnage son histoire n'était pas totalement finie et nous allions recroiser Olivier Dubois s'il est totalement absent des événements de Harry Potter et l'Ordre du Phoenix et de ceux de Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlé on le retrouve à la fin des événements de Harry Potter et les reliques de la mort à l'occasion de la bataille de Poudlard à laquelle il va. On le sait prendre part. Si dans l'adaptation cinématographique sa présence n'est qu'anecdotique et en réalité ignorée par beaucoup de fans car il n'apparaît véritablement qu'un quart de seconde, dans le livre sa présence est beaucoup plus marquante. Il va s'en dire. On sait qu'il revient à l'occasion de la bataille de Poudlard, non pas comme un membre de l'armée de Dumbledore dont il n'a d'ailleurs jamais fait partie, ni comme un membre de l'ordre du Phénix, en tout cas ce n'est pas précisé si tel est le cas. Et pour notre part, on considère que sa participation en fait à la bataille est davantage une manière de montrer son attachement à Poudlard et aux valeurs dans lesquelles il croit, plutôt qu'un ralliement à l'une ou l'autre des factions. On sait qu'il formera une équipe avec Angelina Johnson, Cathy Bell et Alicia Spinett, hein, qui occupera donc un rôle certes mineur dans la bataille de Poudlard. On sait aussi que durant la très rapide trêve qui sépare les deux parties de la bataille, il transportera les corps des personnes tombées au combat en compagnie de Neville bas La présence d'Olivier Dubois est donc une présence importante dans le récit car elle marque bien l'attachement que ce dernier a pu avoir pour son école, pour sa maison d'appartenance et aussi évidemment pour Harry Potter. Olivier Dubois se montre par sa participation à la bataille tel qu'il a toujours été loyal vis-à-vis -vis de ses devoirs loyal vis-à-vis -vis de ses amis loyal vis-à-vis -vis de son éthique de vie on sait qu'Olivier Dubois survivra à la bataille de Poudlard car il ne figure aucunement parmi les très ou trop nombreuses victimes de cette dernière bataille de la Seconde Guerre du Monde des Sorciers on ignore ce qu'Olivier Dubois fera par la suite de sa vie ni s'il aura des enfants cette partie là ne fut jamais documentée par J.K Rowling mais on peut imaginer évidemment qu'il continuera à faire de sa passion un art de vivre et poursuivra son évolution au sein des équipes de Quidditch professionnelles. Olivier Dubois n'est donc évidemment, vous l'aurez compris, pas un personnage central du monde de Harry Potter. Mais au final, c'est un personnage qui sait évidemment compter à sa manière, qui a le mérite aussi de communiquer certaines valeurs comme celle du dépassement, celle de l'entraide ou encore même l'importance d'avoir un esprit collectif face à l'adversité. Comme à son habitude, J.K. Rowling signe donc encore une fois un autre personnage secondaire au ressort très différent des très nombreux personnages mais qui est pour le coup très intéressant à regarder évoluer. Pour notre part, on a vraiment adoré écrire cette vidéo qu'on a écrite en fait assez rapidement parce que ce personnage est peut-être pas très présent dans le récit mais à chaque fois qu'il est présent c'est assez simple à traiter. On voit en tout cas que c'est un personnage qui est plein de bon sens, qui est plein de bonnes valeurs, qui est en fait de valeur effectivement comme celle du dépassement ou comme celle de l'entraide, c'est quelqu'un qui quand même amène beaucoup de choses au récit qui permet aussi à Harry Potter bah aussi de on va dire de s'émanciper un petit peu grâce euh, bah finalement à sa pratique du Quidditch à sa pratique évidemment au poste d'attrapeur donc c'est aussi finalement bah quelque part un personnage qui joue un rôle auprès de Harry Potter dans son développement et dans sa manière d'être donc vraiment pour nous ça a été un plaisir d'analyser ce personnage alors il ne figure pas dans la suite de Harry Potter et les reliques de la mort on sait que effectivement il est totalement absent de Harry Potter et l'Enfant Maudit encore une fois, Olivier Dubois, ce n'est pas un politique, ce n'est pas quelqu'un qui s'engage facilement dans une faction ou dans une autre. Il vit sa vie et il décide de la vivre comme il l'entend. Là, en l'occurrence, c'est vrai que dans L'enfant Bouddhi, on n'en entend pas parler, mais voilà, ça restait véritablement un personnage qu'il était quand même intéressant euh, finalement bah, de regarder un petit peu comment il fonctionnait, de regarder un petit peu euh, ce qui euh, le faisait fonctionner, la manière dont il, euh, dont il marchait. Pour nous, ça, ça nous intéressait vraiment, vraiment de voir un petit peu ce personnage-là. Dites-nous, vous, dans euh, vos, nos commentaires, ce que vous pouvez... Effectivement, d'Olivier Dubois, est-ce que vous trouvez qu'il n'a pas été assez présent dans l'adaptation cinématographique? Comment vous avez un petit peu analysé tout ça? Nous, ça nous intéresse vraiment de pouvoir en parler avec vous. Et donc, on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures sur le monde magique, sur J.K. Rowling et évidemment sur tous les personnages qu'elle a pu créer pour Harry Potter, pour les animaux fantastiques et pour toutes les belles choses qui sont à venir. On vous souhaite donc à tous une très très bonne journée.